Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Borderlands 2. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va continuer la quête dans les égouts. Donc là, faut que je monte. Alors faut que je me débarrasse de tout ça avant. Sentinelle larguée! L'avantage c'est qu'ils ont pas le franchement pas le niveau, donc ça pourrait être assez facile d'y aller. Et il y a aussi un défi en fait, c'est de sauter sur tous les canapés. Donc je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 5. Alors je pourrais pas tous vous les montrer parce qu'on va pas passer devant tous. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien ici? Ouais, c'est des pistes ouais, qui sont franchement trop faibles d'un point de vue du niveau. Voilà. Si c'est pas, il n'y a personne. Communiquez avec les bêtes par intercom. Elles vous laisseront entrer avec la perspective d'un délicieux. Voilà, aussi ça. Voilà. Ok, les pistolets. Top. Oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû vendre des choses avant de. Il me semblait qu'il y avait un canapé par ici. A priori, non. Hop. Non, pas de munitions. Ah, il y a un symbole de l'arche ici. Le deuxième, et je ne sais plus où. Et oui, donc voilà, la référence c'est que eux c'est des tortues. C'est des parodies des Tortues Ninja. Donc c'est pour ça qu'ils pensaient que j'étais appris. Donc Lee c'est Leonardo, Dee c'est Donatello. Après on a Raphaël. Et le dernier, Mike pour Michelangelo. Là, ils sont déjà presque morts. Donc, une fois qu'ils sont tous affaiblis, là, ils vont tous m'attaquer en même temps. Ah, j'ai débloqué en apparence. Excellent. Revenez voir. J'ai un paquet d'argent suintant d'hémoglobine avec votre nom dessus. N'y voyez pas une métaphore, c'est à prendre au sens littéral. Ah, j'aurais bouffé leur pizza. Parce qu'il n'y a pas de respect pour les Tortues Ninja. Enfin, là c'est plus des rats, mais. Alors. Et il y a plein de choses à piller en plus. Enfin, surtout en munitions, mais ça reste plutôt sympa. C'est surtout dans le cas où le combat il dure assez longtemps pour pouvoir regagner un peu de munitions, parce que sinon on n'aurait rien. Bon, la grenade n'est pas terrible, il n'y a plus rien. Alors les casiers, la mitrailleuse c'est pas trop mal. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà. De l'argent.
Alors, le canapé. Là. Alors là, vous voyez des lumières rouges. En fait, faut essayer de toutes les allumer en vert. Alors pour ça, faut trouver les boutons pour les faire changer. Donc après, c'est un système de combinaison. Voilà, donc là, c'est pas bon. Je crois qu'il y a que ces trois là. Il y a celui-là aussi. Ah. Et là en plus je le fais pas vraiment en réfléchissant. Tac. Et je crois que c'est lui qui a actionné le dernier. Non. Ah, c'est franchement. Je sais qu'il y avait un ordre, mais j'ai jamais connu par cœur. Et voilà, ils sont tous rouges, donc on recommence. Ah. Ça va m'énerver, ça. Surtout que je sais. C'est comme ça qu'on. Ouais, déjà, je vois ça. Là, déjà, je crois que on peut sortir, mais en fait, si on fait une bonne combinaison, ça nous permet de faire sortir le dernier méchant. Donc, qui dit Tortue Ninja, hein, dit forcément Maître Splinter, et du coup. C'est ce qui t'a débloqué en fait, si on arrive à trouver la bonne combinaison, et ça va m'énerver. Je suis en train d'essayer de comprendre, donc lui, j'ai l'impression qu'il fait décaler le rouge d'un cran sur la droite. Mais il inverse, non? Ah, purée. Lui, il joue sur lequel? Il joue sur celui-ci et celui-là. Bon, je trouve celui qui est âgé sur les deux du milieu principalement. Alors là, là, là. Ah, il me l'a décalé. Celui-ci que j'aurais dit. Ah, c'est ça. Tac. Si je décale de 1. Ouais, non. Ah, purée, sapristi. Et voilà, il y en a un qui m'embête. Oh, purée. J'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Et je suis sûr que vous êtes en train de crier la solution. Non. Alors. Et ça. Et non, voilà, il a. Ça, il m'en reste plus qu'un. Et lui, des fois, il agit dessus. Ouais, non, il n'a pas agi. Comme je voulais. Ah, ça m'embête. Tac, 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 tac. C'est bien. Oh là là, il m'a décalé. Bon, je sens que j'ai abandonné. Hein. Non, sinon, je vais faire une ellipse et puis jusqu'à ce que j'ai réussi à ouvrir le truc. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve. Ça y est. Donc là, voilà, Splinter, hein, dans Splinter.
Et voilà. Bon, même s'il nous a donné des trucs de merde. Hein. Ils sont plutôt jolis. Enfin, ils sont. Ils lancent roquette. Mais bon, je vais pas les prendre, de toute façon, je n'ai pas la place. Donc voilà, je vous aurais montré les tortues. Donc là, on va ressortir. On va repartir par là, ça sert à rien de. De continuer par là. On a fini la quête. Ah si, on a la quête avec le robot qu'on peut faire par ici. Alors. Voilà, le noyau. On va passer par là. Il y a du monde par ici. Ok, donc ça sent qu'on avance par ici. Ah non, je crois que la quête... c'est pas ici. Ah, je reviens. Alors, oui, j'ai jamais réussi à finir cet épisode. Du coup, alors celui-ci, là, je ne sais plus trop où faut aller. Ah, il faut aller faire tout le tour, tant pis. Bah, du coup, on le fera pas tout de suite celui-là. On va aller à Opportunity. On est parti. Alors, on va prendre une voiture. Tac. Alors, ça va être par ici. Je vérifie sur la carte avant de partir. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est le truc qui m'arrive des fois, donc là je monte, on change et on utilise. Des fois je ne sais pas pourquoi au lieu de faire utiliser il me fait sortir de la voiture. Donc nous voilà à Opportunity. Mais j'ai changé d'arrivée. Voilà. Ah, ils sont pas le même niveau que. Que ceux de. Que des tortues, hein. Ah, il est parti au lit. Allez, voilà. Mais heureusement, j'ai un bon. Le pompe est vachement précis. Enfin, précis, non, mais puissant. Oh. Mais fuis pas, toi. J'ai besoin de toi. Et j'ai plus de musiciens. Donc ça, c'est bien grave. Ah, on va essayer d'aller. Ah, j'ai pas le temps de déployer ma sentinelle en plus.
J'ai un truc en train de me faire bien mal là. Oula. Voilà. Ce fortin là, il va m'embêter. Ah, il est à moitié dedans. On est tout proche, on est tout proche. Là où est-ce qu'il est? Allez, où est-ce que je me fais tirer? J'ai un truc bougé. Saviez-vous que des gens sur cette planète croient encore aux vieilles superstitions? Démons et guerriers extraterrestres antiques. Ce sont les bandits. Ah, ça y est, il est là. Ah. Vite, recharge, recharge. Ah, finis. Il fait bien mal, hein. Vache, il a regagné. Ah vache, le souci là, il est costaud. Et du coup, je suis obligé de tout refaire. Oh putain, sérieux? Non, je veux juste des munitions, ça serait possible? Peut-être là-bas. Voilà, ouais, munitions. Alors, j'ai besoin de quoi? De ça. Et ça. Où est-ce qu'il est maintenant? Surtout, je pense qu'il va regagner toute sa vie. C'est pas cool. Je sais pas où il est parti. Il est reparti. Regarde. Il fuit. Il fuit. Il sait que fuir. Alors, il me faudra un robot dans les parages. Voilà, toi, un ingénieur, c'est pas mal. Comment ça se fait que je me prends des dégâts électriques aussi facilement? Oh, je l'ai pas tué. Oh, je l'ai tué. Voilà. Mais à chaque fois que je me relève, je me prends des dégâts électriques. Je comprends pas.
ma vie est descendue tellement vite. Je pouvais plus rien faire. En même temps, vu le nombre de fois où je suis tombé. En second souffle, j'avais quasiment qu'une chance. Bon. Je pense que je vais faire quelques quêtes secondaires. Hein. Là, j'ai essayé une dernière fois et si j'y... Si j'y arrive pas, on arrêtera là pour aujourd'hui et puis après, la semaine prochaine, on fera quelques quêtes secondaires pour reprendre quelques niveaux et trouver des meilleures armes parce que là, ça va juste pas être possible. En plus, il y a un doute qui arrive là. Ah, où est-ce qu'il est? Je m'éloigne de lui, je m'éloigne. Je sais pas où il est passé du tout. Oh la vache, oui, je suis con. Ouais. D'accord. Ah, je ne sais pas où est passé le sosie. Voilà. Où est passé le sosie? Ils sont partout. Et le sosie est nulle part. Il doit être par là. Il doit pas être très très loin, mais... Et bah je crois que, en plus du nombre de munitions qui me reste, voilà, j'ai plus de munitions sur cette arme là. Ouais, et puis là c'est juste la mort. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, sur cette magnifique mort. Et un sosie du Bojack a complètement disparu. Je vais retourner à Sanctuary, puis... Tac, direction Sanctuary. Et la semaine prochaine, bah, on fera quelques quêtes secondaires pour gagner quelques niveaux, parce que là, oui, je commençais à avoir 4-5 niveaux d'écart, je crois. Ce qui peut paraître pas grand-chose, mais sur Borderlands 2, c'est énorme. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on fera quelques quêtes secondaires qui sont dans Sanctuary. D'ailleurs, j'en ai une à rendre. Donc on va faire ça tout de suite et on va s'arrêter là-dessus. Tac, je revérifie un peu ici, y a rien. Hop. Et voilà. Donc déjà un peu de mieux. Ils auraient été des alliés utiles. Donc je vous dis. À la semaine prochaine, salut à tous.